Salut à tous, c'est Saran, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec Sandar, comme d'habitude, pour le Let's Play sur Pocket Morty. Ça fait très plaisir de vous retrouver depuis les histoires de disques durs, parce que là on recommence un peu à zéro. Le nouvel habillage, il est enfin là pour nous, vous l'avez déjà vu dans l'épisode précédent, mais pour nous, voilà, il est là, ouais. Il est nouveau, on est sur quelque chose de nouveau. Et en plus, il y a une mise à jour de Pocket Morty, donc c'est plutôt cool. C'est trop cool. Ouais, c'est vraiment très joli, ouais. Parce qu'ils ont rajouté le multijoueur, alors pour l'instant on va pas s'y intéresser, on va rester sur le mode campagne. Voilà, je vais juste baisser un tout petit peu le son pour nous dans notre gueule parce que la musique, voilà, merci, super. Que dire à part ça? Eh bien, que vous dire, vous allez le voir tout de suite, j'ai fait ce que j'avais dit, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand Sandar n'était pas là, pour cette vidéo, j'ai battu les dresseurs, les Rick, pour aller jusqu'au. Pour gagner des badges, pour pouvoir battre le maître, le Rick d'arène, je peux comment ça s'appelle. Du conseil, c'est ça. Donc j'ai battu 4 Rick. Du coup, j'ai XP mes Morty. Du coup, ce que j'ai fait aussi, j'ai utilisé mes méga graines de Morty là, qui permettent de gagner des niveaux sur mon Morty de base, parce que lui, là, je peux pas le mettre à la crèche, donc voilà. J'ai pu recrafter aussi encore une graine, donc je l'ai fait augmenter de 4 niveaux en tout avec des graines. Ah, c'est bien ça. Ce qui est plutôt bien. Et du coup, j'ai capturé des Morty. Donc je vais vous raconter tout ça, parce que du coup, je l'ai noté, parce que pour pas oublier, j'ai récolté des Morty sans peau. Il y en avait 2. Donc j'en ai trouvé 2, donc j'en ai récolté 2 parce que son évolution, vous le verrez, elle est cool, donc on va le faire ensemble. Et j'ai récolté un Morty débraillé, ce qu'il nous en fallait absolument, donc j'en avais pour faire le Morty négligé. Ah oui, négligé et après quoi. Et du coup, j'ai rechopé aussi un Morty négligé. Du coup, on va pouvoir faire tout ça, ça va être vraiment cool. Vous allez voir ça, on est parti. Donc, de toute façon, vous allez le découvrir, mais je voulais vous raconter un petit peu avant. Parce que... Et j'ai changé la gueule de mon Rick. De ton Rick. J'ai mis le Rick fort parce que ça me coûtait rien. Donc voilà. Et donc oui, il me dit que j'ai des rigs qui peuvent être associés. Donc c'est plutôt cool. On va voir ça et on va pouvoir augmenter nos rigs. Alors le Morty, alors j'ai bien vu, vous voyez le Morty qui est gluant, la rose. C'est sûrement lui qu'on va changer. Voilà. Cool. Par le nouveau Morty, Morty sans peau. Donc on va voir ça de toute façon. Vous allez voir, c'est plutôt cool. On a beaucoup de combinaisons possibles. Donc les Morty gazeux, toujours pas. Alors, on avait nos Morty négligés, mais je m'en fous. Les Morty sans peau, on va commencer par ça. Donc j'ai chopé des Morty sans peau qui sont plutôt classe. Et en fait, je les ai pris parce que quand on les combine, alors c'est un type ciseau, pourquoi pas, ça va remplacer un de mes autres types. Oui. Et quand les combine, il fait un Morty magnifique, je sais pas s'il est cool, mais j'étais obligé de le faire parce que tu vas voir le Morty que ça fait. Je me suis spoilé sur internet. Hein. Ah, trop bien. Le Morty squelette du coup qui est niveau 31, c'est plutôt cool. C'est pour ça que je voulais faire ça. Parce que du coup, on peut faire des trucs de fou. Alors du coup, moi j'avais un Morty débraillé. Mon Morty débraillé, c'est le Morty de mon équipe, hein, celui que j'ai chopé. Parce que j'avais des Morty négligés apparemment, j'avais chopé un Morty négligé avant, ouais. Je sais pas ce que c'est. Et bon, voilà, mes Morty débraillés. Donc j'avais mon Morty débraillé niveau 23, j'en ai chopé un niveau 22, donc je l'ai combiné tout de suite. Donc on va choper un Morty négligé de assez haut niveau, je pense. Morty négligé niveau 34. Ah ouais. Que je vais combiner tout de suite avec mon niveau 31 pour faire enfin... 21, pardon, pour en faire enfin notre clochard. Alors je sais pas combien il va être niveau le clochard. Mais là on augmente à mort de Morty, ouais. C'est vraiment cool. Niveau 44 le vagabond. Donc là on a des Morty de ouf. Par contre du coup je pense que les dresseurs et tout, ils s'adaptent en fonction des niveaux de tes Morty. Je pense aussi, mais là, on a... parce que sinon ce serait trop facile. Mais ce sera peut-être avec une moyenne parce que du coup on a Morty Tensia qui a souvent été notre... Donc, a longtemps je dirais été notre meilleur. Ouais. Maintenant niveau 25 quoi. Morty mais... Parasite aussi. Et maintenant on a Morty Squelette et Morty le Vagabond. Donc là je suis ultra content. Faut que tu les mets dans la team. C'est ça. Ah, t'en vire 2 alors. Oh, non. Parce que Morty... Non. Tu vas voir. Ah oui, parce que t'avais le Morty, oui, je suis d'être sans peau. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Ah, j'ai pas su. Tu vas voir, on va modifier ça, tu vas comprendre. Non, parce que j'avais mon... Alors, Morty gluant, je vais devoir le retirer. Ça, oui, c'était prévu. Parce que c'est un type... J'avais deux types Morty, feuilles. Le vagabond est devenu... voilà, parce qu'il est devenu... Parce que forcément, c'était Morty négligé. Et par contre, voilà, je remets mon Morty squelette. Et là, on commence à avoir une team bien comme il faut. Et du coup, notre Morty de base fait vraiment pitié niveau 21, mais il était niveau 17 tout à l'heure quand je jouais avec, c'était insupportable. Alors attendez, on va garder l'ordre comme ça ou pas? Grosse question. Peut-être pourquoi mettre pas. Le vagabond en dernier, non? Bon, ça change rien après. Ça change rien. Et du coup, t'as deux ciseaux. Voilà, alors que j'avais deux papiers avant. Donc,
ça change pas grand chose, hein, parce qu'il y a pas de statistiques de hey, il faut mieux massin. Et là, on va directement aller essayer de se battre le mortier, le membre du conseil. Le membre du conseil. Alors, je sais pas du tout si on va y arriver. Je sais pas du tout si on a le niveau du coup. Parce que comment ça s'adapte, je sais pas trop. Mais là, ouais, voilà. Techniquement, si t'as tes badges, t'es capable de. Ouais, mais on va voir. Je vais vous dire tout de suite s'ils s'adaptent, hein, parce que là, j'ai bien vu par rapport au morti les niveaux qu'ils avaient. Par rapport au morti que je suis allé battre. Ouais. Non, l'Eric avait des mortis. Alors du coup, on va se faire lequel cette fois-ci? Ah, c'est du coup, c'est lui, d'accord. Rick Zeta Alpha. Donc on en a quand même battu 3. Ouais. Là, on est sur le 4ème, il nous en restera 2 après. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, c'est cool. Et ouais, t'as vu le dos qu'il a maintenant? Ah, niveau 25, donc ça s'adapte pas, hein. Parce que c'était déjà des niveaux 25. Oui, mais attends de voir s'il y en a pas un qui va être okay, niveau... Ok, ok. Mais Morty Magicien, est magnifique, il hein. Il est trop ouf, lui. Donc on va changer direct, on va prendre le type qu'il nous faut, donc type papier, donc c'est le Mortensia, donc c'est pas ouf, tu vois. Alors que je l'adore, quoi, mais du coup maintenant il est à un niveau hyper faible, quoi. C'est là, on commence à avoir des Mortis de niveau 3, quoi, bah, dire de 3ème évolution, beaucoup, beaucoup, là, et c'est vraiment cool. Et on voit quoi. Oh, il est magnifique. Donc on change direct pour un type pierre, et là on va lui balancer un type pierre, donc portier de vagabond qui est 44, quoi. Donc je pense que là il va faire... qui est presque le double de niveau de lui, quoi. Il est classe avec ses cheveux longs et tout. Ouais, hein. J'adore, moi ça. C'est pathétique, tu m'étonnes. Et je vais faire une attaque pierre, on va voir ce que ça fait. Ah, du coup, il a Kaamelott et écrasement. On va faire Kaamelott, hein. On va voir ce que ça lui fait. Oh c'est... Bah, c'était logique, hein. Wow. C'était logique, mais vous voyez, là, il y a des nouveautés dans le gameplay, donc c'est cool. Là, on commence à être avec des gens, bah, on va continuer, on sait pas ce qu'il est. Hein. On commence à être avec. 28 quand même. Avec des. 28, ouais. Ouais, mais quand même, c'est pas... Je m'attendais à pire. Il est vraiment magnifique, Morty le Parasite de dos. C'est un truc de fou, il est magnifique. Donc du coup... Non, tu disais quelque chose et je ne sais plus ce que je disais. Dites-moi dans les commentaires. Non, je sais plus. Bon, on continue comme ça. Alors, Folie, c'est une attaque vraiment cool, parce que tu connaissais pas Morty le Parasite, on l'avait vu, mais tu savais pas les attaques. Ouais. Donc, la perte d'énergie qui est plutôt pas mal, parce que, du coup, on récupère de l'énergie, bah, on pompe de la vie, mais pas grand-chose. Ah, au maximum, je gagne 5, en fait. Mmh. Et c'est pas énorme. Télépathie, mortifié, bah, moi, comme d'habitude, je fais pas trop les attaques de... Non, bah, sur ce jeu-là, je trouve que, franchement, c'est pas comme Pokémon, c'est pas ouf. Parce que j'ai essayé un peu, cet après-midi, en plus, de jouer comme ça, et non, c'est vraiment pas rentable. Et Folie, il a que 8 PA. Donc t'es vite à court en fait. De Folie. Parce que 8, c'est pas. Et c'est sa seule attaque en fait. Parce que l'autre, elle est vraiment pitoyable. Je peux te la faire si tu veux, juste pour que tu vois. Ah bon, super. Bon, de toute façon, ça change rien. Perte d'énergie, vas-y, tu vas voir. C'est pas ouf, hein. Et je gagne, tu vois. Ouais, parce que je gagne pouf, tu vois. C'est vraiment si t'es au bord du. Du suicide. Quoi, du vas-y, j'ai. Ok, donc là, on va changer pour un petit type papier, comme d'habitude. Vraiment beau, Mortidensia, c'est vraiment le plus beau, je trouve. Attends, vraiment, il est beau maintenant. Ouais, je suis super content, c'est vraiment classe. Alors, j'ai un peu regardé, il vient Ouija. Wow. Du coup, j'ai un peu regardé, et il y a des trucs de fou, hein. Il y a des mortis uniques, il y a des trucs de malade. Je pense qu'il va me tuer. Ah non. Il te fait cher pour un. Ouais, pour un type autre, ouais. Et pour le même niveau que moi, ouais, c'est très bizarre. On va utiliser un petit sérum. Après tout. Ah, ok. Ah, ah bah, même que moi. Cool. 27. Ouais, bah, moi, il est mieux. Il est vraiment beau ce Morty là, j'étais obligé quoi. Quand j'ai vu qu'il existait, j'ai fait. Parce qu'en fait, j'ai vu ce Morty à peau là. Comme ça, et puis du coup je suis allé voir vite fait sur internet quoi, il était devant moi comme ça, il se baladait, et puis tu sais, je m'en foutais, je suis allé voir sur internet. Amoureux. Non, j'ai trouvé vachement beau, tu vois, et je suis allé voir sur internet, et j'ai vu que c'était déjà un Morty de niveau 2, tu vois. Je suis allé, ah ouais, d'accord. Je dis, bah je vais peut-être le prendre, mais je suis pas sûr. Et puis là, il passe devant un dresseur, qui me gênait, donc je dis, bah non, je le prends pas. Et je vais un peu plus loin sur la map, et j'en vois un autre. Je fais, bah attends, vas-y, je prends celui-là, et je vais aller prendre l'autre, comme ça je dirais que je me fais un Morty machin. Bah non, mais c'est vrai quoi. Et là, c'est un type pierre, je crois. Non. C'est forcément un type papier. J'avais sorti mon ciseau. À mon avis. Ouais, ça. Et du coup, non, j'ai tout de suite dit, putain, il le faut quoi. Parce qu'en même temps, voilà, je peux directement avoir un Morty de niveau 3, quoi. D'évolution 3, bah, je prends direct quoi. C'est. C'est sûr. Pas être fou quoi. Pas être fou. Surtout qu'ils avaient des bons niveaux et ça, t'as la chance.
Ouais, c'est clair. Je sais pas si c'est vraiment le hasard ou si c'est plus tu évolues dans le jeu, plus je tu sais pas. Mortis sauvages. Sont... Ouais, je pense qu'il y a de ça un peu quand même. Ah, niveau 27, c'est cool. Ah, cool. Ouais, c'est cool. Oh, ok, bah oui. Donc lui, il me faut du coup le Mortitensia. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs pour les retours, vous avez été adorables sur le let's play de mardi, je vous le dis du coup tant que je suis là. Si vous regardez ce let's play là, je sais pas s'il y en a qui regardent les deux let's play ou si voilà il y a des gens, il y a la team Morty et puis la team... du coup, ah non, qu'est-ce que je fais? Et la team des autres let's play parce que c'est un peu différent à chaque fois. Parce que là, Pocket Morty, faut le dire, hein, ça dure, on continue. Hein. Ça fait quand même un mois qu'on a commencé, peut-être deux mois, peut-être un truc comme ça. Ou trois mois. Ouais, un truc comme ça. Donc c'est cool. D'ailleurs, vous suivez, hein, c'est très bien. Oh, niveau 26, bien. Et du coup, non, je vous remercie beaucoup, vous avez été adorables. Du coup, alors, langue gazeuse, putain, c'est un type papier. De mémoire. C'est bien, ça fait trop longtemps. Rip 'em limb from limb, Morty. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Alors, vraiment, l'inverse de papier, quoi. Go, Morty. Shut up, Rick. Je sais. Pas si on veut ça. Ouais, le but c'était juste de pouvoir faire ça en fait. Ah oui, d'accord. Pour re-soigner mon type ciseau, mon type papier. Papier, ouais. Après, je vais peut-être balancer une petite attaque vite fait si je peux quoi. Battage. Ah, vite fait, tu vois, un petit oscillation. Oh bah oui, bah forcément. Ah, forcément, il attaque avant. Hein, t'as vraiment sacrifié ton Morty. Bah ouais, mais en même temps, il sert un peu à ça, quoi. Je suis désolé, mais il est chiant aussi. On peut pas le faire augmenter dans la crèche, quoi. Mais franchement, c'est chaud, quoi. Mais après, je comprends, c'est scénaristiquement, c'était pas possible. Ça n'a aucun sens. Il fait Ouija, lui aussi. Ils ont... Pourquoi tous ces Morty en Ouija? Pour le magicien, je comprends. La table de Ouija, c'est marrant, lol. Lol. Allez, un petit PV qui reste. Une petite décharge gluante. Bon, c'était assez easy de le battre, hein. J'avoue, le manque du conseil, d'habitude, on avait l'air beaucoup plus que ça. Donc là, mes Morty de haut niveau... Ça va me toucher le coude à chaque fois, là, c'est un truc de fou, ça. Oh, une méga graine d'attaque. Et une méga graine de défense, il m'en faut une de vitesse. Et là, je peux faire une méga graine... Avec les trois, je peux faire une méga graine pour... Et un coupon, cool. Je peux faire une méga graine, pardon, pour augmenter le niveau. Parce que là, ça peut. Une méga graine d'attaque, j'augmente un peu l'attaque d'un Morty. Une méga graine. Et quand je combine les trois, c'est cool. Est-ce que tu. Ah non. Oui. 10 badges maintenant! C'est ce que j'allais dire. C'était écrit machin quand tu reviendras avec 30 badges. Genre. What the fuck, 10 badges? Mais c'est un truc de fou. Ah bah là, ça augmente. Oui, parce que c'était 5. Ouais. Donc là, ça double! Et le dernier, ça va être quoi, ça va être 100 badges. Quand tu auras 100, c'est possible en plus. Hein. Ouais. C'est les jeux mobiles, alors ils aiment bien justement faire, tu sais... Durer dans le temps. Et... Bah oui, c'est ça. Tu sais, c'est où qu'on fabrique, là? Hein, c'est plus bas. Je vais vous montrer pour la méga graine. La méga graine. La méga drive. La méga drive, ouais. On va fabriquer une méga drive en son. Allez, comment on fait une méga drive? Ah, j'ai aussi fait pas mal de petites missions, tu sais, les gens qui ont des petits points d'exclamation au-dessus de là. J'en ai fait pour gagner des objets, hein. J'ai pas hésité parce que il y en avait quand. Ça peut être intéressant. Ah, j'ai déjà une méga graine de niveau. Oh. Ok, ben, on va en avoir une deuxième, donc on va pouvoir faire augmenter les Morty. Je les utilise, hein, du coup, et j'utilise que pour mon Morty. Bon. Parce que je me dis que lui, je pourrais jamais l'enlever. Les autres, ça se trouve, je pourrais les remplacer. Donc, même si j'ai un autre Morty, admettons, qui est au même niveau, non, je vais utiliser vraiment sur mon. Là, je vais utiliser sur mon Morty de base. Bah, de toute façon, ouais, tu vois, pour le mettre au moins niveau 23. De toute façon, ouais. Parce que c'est chiant, quoi, sinon. Et j'ai quand même 4 ce bip. C'est vraiment pour lui, en fait, qui a ses 10. Ouais, c'est possible. Ce truc. T'as 4 bip et trucs. Non, je veux pas. Ouais, j'ai 4 bip et trucs, hein. J'en avais 2 en fait à la fin du dernier épisode. J'en ai gagné un avec la mise à jour, là, à peu près, je crois, dans ce zoo-là. Et là, j'en ai gagné un, là, à l'instant. Donc, ouais, c'est pas mal. On est bien, on est bien. On va pouvoir en faire... C'est où? C'est là. De quoi? On va pouvoir en faire beaucoup. Ouais, c'est clair. Mais on va en faire qu'un seul à cet épisode. Oh. Bah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Là où? Et où est-ce que tu changes ton Rick, du coup? Au magasin. Du coup, il y en a 4 de dispo que j'ai débloqué. Apparemment, en ce moment avec mon niveau. Donc là, du coup, on va se battre des Rick sauvages et puis des Morty d'arène, des Morty de niveau, quoi. Parce que... Parce que bah, sinon, on va rien faire, quoi.
Ce monde est très beau. Alors, il y en a 5 nouveaux avec la mise à jour. Ou 4, je sais plus. Ah ouais. Donc, en plus, ouais, ouais, donc c'est pas mal, c'est pas mal. La mise à jour est cool, hein. Franchement, hein. Donc là, le mortier au panneau, j'en ai rien à foutre. Le flip, je vais aller juste le prendre. Parce qu'à force de crafter des trucs, bah, finalement, maintenant, il y a plus grand chose. Bah, plus grand chose, j'exagère un peu, hein, mais. J'ai quand même un peu de trucs, quoi, faut pas déconner. Ah, une petite boîte de conserve. Ah, directement, on peut aller au machin. Ouais. On va juste regarder un petit peu les rigs sauvages qu'il y a. Les mortiers sauvages, pardon. Non, j'arriverai jamais, hein. Ouais, ouais, ouais. Jusqu'à la fin du let's play, je n'arriverai pas, hein. C'est pas la peine. Mais je préfère regarder parce que du coup, là, j'ai des bonnes surprises, j'ai des bons trucs, donc autant regarder. Mais ce monde, effectivement, est très beau. Très, très beau. Ouais, j'aime beaucoup. I like. Donc, encore un panneau. Attention, ouais, je vois. Oh, oh, ça, c'est bien pour faire le magicien, ça, non? Vas-y, bloque-toi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, ouais. Est-ce que je le prends? Allez, on le prend? Ouais. Allez, juste pour le fun. Ouais, je sais pas si c'est lui pour le magicien, mais il y a des chances, mais en tout cas... Ça a l'air, tu vois, il a une petite boule et tout. Oui, oui, c'est possible. Ou c'était quoi l'autre? Mais Ouija, mais c'est chiant, faire attaque, là. On dirait que c'est un troll. Ok... Télépathie? Le télékinésique. Ah ouais, celui qui bouge les objets avec la pensée. Il me reste plus... Ah non, j'en ai plein des puces, mais comment ça se fait? Ah, j'en avais fabriqué avant de faire cet épisode. Parce que je m'étais dit... Ouais, j'ai vraiment aujourd'hui, cet après-midi, travaillé sur le truc, j'ai farmé pour que l'épisode soit le plus mieux possible pour vous quand même, pour qu'il se passe quelque chose, quoi. Ouais. Qu'on soit pas tout le temps dans le... Oui, on arrive pas à battre. Pour moi aussi, hein, parce que moi, du coup, je suis pas là quand il farme. Moi, c'est vrai. Que quand il joue. Il y a le cuistot. Marqué. Le cuistot, je m'en fous un peu, à vrai dire. Ah, t'as une machine. Par contre, là, ouais. Mais alors, comment je fais pour aller là-haut? Tu peux pas passer? Ah, si, si, mais j'étais pas passé par là encore, donc... Une petite bactérie machin là. Ok. Encore notre cuistot. Alors est-ce que les cuistots peuvent faire quelque chose? Est-ce que je regarde sur le net ou bon, est-ce après que... ils sont pas. Je trouve pas que ce soit. Après. Ouais, ils sont c'est pas esthétique ouf. Aussi, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord. T'as raison. Un cuistot, c'est pas intéressant, tu vois. Non, non, c'est vrai, il a pas une gueule. Oh, par contre, bah, je vais le prendre direct. Je sais pas s'ils peuvent se combiner, mais du coup, on sait pas. On sait pas, mais bon, ça va. J'ai l'impression que c'est un peu fait exprès. Hein, parce que je sais pas, parce qu'il y a plusieurs fois, on a galéré quand même. Hein. Tu te rappelles comme quand même le morti là, pour avoir mon clodo, là le temps qu'on a eu. Oui, mais parce que quand tu l'as attrapé une première fois, t'as pas pensé qu'il y avait un double, tu vois, t'as pas été chercher forcément, tu vois. C'est possible, c'est possible. Je me dis que c'est ça, c'est qu'il y a forcément deux mêmes dans un même monde. Ah, je suis pas sûr. I'm not sure. Faudrait qu'on vérifie ça. Je vais essayer d'utiliser un objet maintenant. Je sais pas si la puce manipulatrice, faut vraiment, vraiment baisser une... Au pire, j'en perds une, quoi. C'est pas la mort, j'en rachèterai une. Mais je me demande, parce que j'arrive pas à comprendre, je réussis à chaque fois. Ah, là, ça marche. Voilà, j'ai pas réussi. Il y a ton portable qui sonne. On va répondre. J'entends tout. Bon, bah, du coup, on va faire ça. Hein. Ah non, du coup. Ok. J'ai peur. J'ai peur de lui faire trop mal, on va lui faire une décharge gluante. Est-ce que je peux lui en faire une deuxième? Je dirais que oui. Non, tu peux lui mettre la puce là. Bah ça fait... Je vais pas en perdre deux non plus. C'est jaune. C'est jaune? Ah oui, c'est jaune, pardon, je comprenais pas. Ouais, donc en fait, non, c'est la première fois que je loupe une puce. Donc faut quand même essayer de leur enlever de la vie. Faut quand même essayer. Donc je pense que je vais me faire le Rick sans soigner mon mortier de base. Oh, ouais, de toute façon, il tient. Ouais, ouais, bah il me permet de gagner un peu de temps, quoi. Oui, c'est ça. Mais non, t'inquiète, je comprenais pas, c'est tout. Mais bon, là je me dis, tant ça va, quoi. C'est easy pour moi là, avec les niveaux que j'ai. Ça se trouve, c'est complètement con, je vais perdre du coup. Mais... Allez, hop, en plus, c'est un Dumby. J'adore, il est trop marrant. Ok, Magda, niveau 23. Donc franchement, c'est easy quoi. Pour l'instant, ça va. Ah ouais, franchement, là je sors mon niveau 44 en plus. Qu'est-ce que tu veux faire? En un coup, c'est bon. Pas grand chose. Waouh! Au secours. PV. Oh my god, je vais faire une petite camelote dans la gueule. Camelote, ça te dit? Adios. That's how we do it. La petite Alexandre Astier. J'ai pas compris. Kaamelott, Alexandre Astier.
Ah, il est type quoi là? Pierre. Ok, je t'écoute. Moi j'en ai aucune idée, donc autant t'écouter. Hein. Mais bah. Pas du tout. Bon, oh, papier contre papier. Bon, allez, on le fait comme ça. Heure du dîner. Une attaque à 5 PA doit faire mal. C'est pas mal. On continue comme ça. Oh, en plus, si c'est pour me faire ça. Bonsoir mon gars, la vitesse. M'en fout, parce que de toute façon, la vitesse, à chaque fois, je me fais attaquer avant. Quoi qu'il arrive, donc, j'ai compris que. Voilà, mais qu'est-ce que tu as fait? Ah. Bon, allez, on continue avec lui. Allez. Ah. Ouais, fallait bien essayer. Non, puis. Il est joli lui aussi, il est joli. Mais bon, c'est vrai qu'à côté maintenant des. Mais même Mortal Vagabond, tu vois, je le trouve un peu. Entre les autres, tu veux dire? Bah, esthétiquement, du coup, il a pas la gueule comme peut l'avoir mon Morty. Morton Tia qui est magnifique. Le squelette qui est magnifique, du coup, maintenant. Ouais, j'aime bien, moi. Ah, t'aimes bien? Le côté clodo. C'est un peu Johnny Depp aujourd'hui, tu vois. Genre un peu le mec défoncé, cheveux longs. N'importe quoi. Un peu le Kurt Cobain, tu vois, des Morty. Ouais, c'est ça. C'est Morty qui est. Celui-là, c'est le beau aussi, putain. Morty Parasite, il a de la gueule, c'est un peu. Ouais, moi, j'aime bien celui-là. C'est vraiment beau. Surtout à dodo, comme tu disais, c'est. Ouais. C'est, ouf. Oh, c'est sensationnel, sensationnel. C'est pas ouf quand même. Tu vas voir la taper 116 fois pour que ça marche, Micheline, Dominique. Folie. Tu vois, les Morty hippies et tout, oui, ils m'attirent pas. Non, non, ils sont pas ouf. That's how we do it. Ah, il est marrant. Il est de type. Pierre. Okay. Tu vas encore m'écouter alors que je me suis trompé tout à l'heure. Bon. Je te dis, j'en ai aucune idée. Rip 'em limb from limb, Morty. Ah ben, la même chose. Ah oui, on s'est dit des couches, je sais plus quoi. Ah, c'est vrai, on s'était dit les couches. Ouais, donc, ça, faut qu'on y pense. Il porte des couches. Right, Morty. En papier. Pression artérielle. J'aime bien du coup la voix qu'il a. Tiens. Ah ah ah, alors qu'il est. Non, c'est le nôtre qui parle. Non, parce qu'il a fait le. Il a fait son truc là, son effet. Ah, tu penses. Ouais, ah, oui, ça, ouais. En fait, c'est toujours le même son pour tous. Hein. Oui. C'est vrai qu'ils auraient pu faire pour Morty Party, genre. Tu vois, c'est un peu le zombie, ouais. Ça, t'as marre. Ouais. C'est lui qui a crié. Mais... Take him out, Morty. Puis Morty haineux, quoi. Son... Ouais. Bah, il est vieux, donc il a la haine contre tout le monde, quoi. Oh non! Sérieusement? Non mais sérieusement, là c'est abusé, il a fait deux attaques de suite. Alors moi je comprends plus rien, hein. C'est bon quoi. Donc si je le mets, est-ce qu'il va attaquer en premier? Voilà la grande question. Ouais. C'est la grande question, et à son âge gagne, mais c'est. Bah, c'est chiant! Pourquoi j'attaque toujours en deuxième? J'arrive pas à comprendre ce principe par contre. C'est pas comme dans Pokémon ça, hein. C'est pas logique. Avec Robo. Si tu changes de Morty, c'est lui qui attaque. Mais c'est pas logique. It's not logical. Oh yeah. Tu vois là, j'attaque en premier, tu vois, ça n'a pas de sens. Il est vachement rapide. Oh. Ah bah, 390 pétales, une pierre plutonique. Il n'y a plus de place, super. 9 badges. What the fuck, c'est abusé, 9 badges, mais. Ça va être long. Ah, c'est. Il va devoir farmer, hein. Mais pas qu'un peu, hein. C'est clair. Ah, tu peux. Ouais, je peux combiner. Ah ah, c'est cool ça. On va direct combiner ou on va d'abord se battre, hein. D'accord. Ok, ok, ok. Moi je veux combiner. Ok, 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 je dis oui. Tintin. Alors, les deux petits magiciens. Et Morty Gazeux, pourquoi il me fait ça? On peut la combiner, Gazeux? Mais je croyais qu'on pouvait pas. Ah, c'est un nouveau alors? Ah, je sais pas. Parce qu'à l'époque, tu te rappelles, on a. Oui, c'est. Ouais, ouais. Il me semble, hein. Ah non, ils peuvent pas être combinés, d'accord. Ah, mais alors, pourquoi ils me les mettent en premier? Ouais, c'est trop bizarre. C'est chiant, moi, tiens. Non, ils étaient au début, hein. Je les ai pensés. Donc là, voilà. C'est mystique. Oui, mais le second. Ah, pardon. Est-ce que le gars rouge peut le combiner? Non. D'accord. Et mon Morty au Void, j'en fais quoi, moi? Je sais pas. Il y a pas écrit quelque chose. Attention. Eh ouais, j'ai le magicien. Qui est niveau combien? 35! Ah bah il va remplacer quelqu'un. Hein. Ah bah oui.
Ah mais il va remplacer qui quoi? Bah Morty Tenancy. Non, Morty le Parasite. Ah non, Morty Tenancy, il faut bien un type papier quand ah, même. Ah oui, mais oui, j'avais pas le. Donc soit il remplace... Attends, on va regarder dans l'équipe. Mais... Ah c'est chiant. Ah, j'ai fait combiner. C'est chiant parce que... What? T'as tout Morty qui... Pourquoi il est ah, là? Ah non, non, modifier Morty, c'est normal. Non, c'est normal, c'est le camp d'entraînement. Mais... Et pourquoi il est resté là tout seul? Mais quoi, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, je ne comprends pas là. Je veux modifier Morty. Stockage. Non, c'est pas. Ok, c'est ça. Ok, c'est mieux comme ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il me faut un type de chat au moins. Donc là, si je prends mon Morty le magicien qui est type pierre, soit je remplace mon type pierre, mais c'est complètement con. Ouais. Soit je remplace un des types que j'ai en double, c'est-à-dire le ciseau. Donc et le parasite. Le parasite. Ça me fait chier, mais en même temps, ben, faut gagner. Donc, tant pis. Il est très beau le parasite, je l'aime beaucoup, mais du coup, bonjour magicien. Bonjour. Ah, tant pis. Ne pleure pas. Vas-y, je pleure. C'était mon Morty préféré. C'était mon Morty préféré. Bon, j'espère qu'en 5 minutes, on va réussir. Sinon, eh ben, hein, voilà. Ouais. Parce qu'il nous reste 5 minutes, donc... 5 minutes. Ouais. Allez, allez. Allez. Ok, il faut qu'on arrive directement sur le machin. Visage et tout, comme les boxeurs. Ah, tu pars. Ok, ok. Bon, déjà, on doit se faire un dresseur. Ouais. Il va falloir le battre vite. Eh bien. Eh bien. Ceci... Oh. Se situe... Oh, oh. Trop classe. On dirait ta coiffure. Ouais. Il était pire, hein. Je l'ai pas regardé. Ah, ok. Mais c'est oui, ça. Morty, les... Rip him apart, Morty. Il nous faut le Morty, mais... Oh, là, il est vraiment beau. Obligatoire, merde. T'as pas tiré sur mon truc, c'est un truc de fou, hein. Laissez tomber, c'est pas moi. Ouais. Ok, faut qu'on le batte. Allez, les mecs, on peut le faire. Je vais vous ouvrir un bipé truc, moi, c'est important pour moi. Bah oui. Oh non, oh, non. Et si ça commence, ça va pas le faire, Michel. Allez, mon gars, allez. Allez. T'es il est niveau 21, ça. Bah, bah oui, bah si tu veux plus faire, et bah bâton. Non. Ah, c'est vraiment bâton. Alors, c'est un dresseur, quoi. Enfin, c'est un. Oui, c'est un dresseur. C'est ah, bah alors. Quand même. Il est rigolo, quand même. Ouais. J'avoue qu'il est rigolo. Il est de type papier. Je sais pas, je. J'invente complètement. Si, les papiers, parce que les pattes. Rip them apart, Morty. Ah bah non, c'est juste. Qu'est-ce qu'il découpe. Oh là là. Allez, vas-y, vagabond. Don't let me down, Morty. I'm trying my hardest. Salut. Me gusta. Al dente. Camelot. Anzani. Dottori. Arrivederci. Bonjour à vous les Italiens. Il est papier. Il est tout dur. On n'avait pas dit ça. Non, franchement, je les ai tous. J'ai enlevé ça de la mémoire, je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi? Mais j'avais d'autres choses à la tête. On va voir ce que vous nous dites. Oh, il a un petit Morty dans son truc, j'ai même pas fait. Ouais, si, on l'a vu tout à l'heure. J'avais vu, moi. Ouais. Moi. Ouija, du coup, hein, parce qu'on m'a tellement fait chier avec Ouija. Mais vas-y, moi j'en veux rien, moi j'en veux rien. Il est nul, ton magicien. Il a... Ouija. Alors. Et tout. Je suis deg, on a 10 niveaux de plus et on fait même pas plus mal que ça. Et je suis à une attaque de même type, Camelot. Camelot. Sérieusement? Are you kidding me? Donc, c'est de la triche, ça. Fucking bastards! Il a gagné 16 XP, super. On continue. Voilà. On va faire une note. Putain, fais chier. Oh non. Bon, après, j'ai augmenté mon attaque. Donc, l'attaque d'après devrait faire plus mal, mais bon. Camelot. Ah oui, d'accord. Au pire, on se dit que ça se trouve, ça l'aurait pas tué. Ouais. Espérons. Ciseaux, ben, je crois que c'est ça, non? Ciseaux, tu dirais?
Qui est type ciseau? Oui, qui l'est, type ciseau. Ah non, non. Non, non, il est type. Bon, il type pierre. Il est type pierre. Je sais pas, j'invente. Away we go, Morty. Je vais tirer sur ta clope. Oui. Merci. On va lui faire un diviseur cellulaire. Ah, t'avais raison. Enfin, raison. Oui, c'est ça, t'avais raison. Ouais, j'avais raison, ouais. Ou Jeezy. Allez, ouais, tu peux ne pas le... Non, 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 ça va pas le tuer. Ah, putain. Je pensais pas que ça le tuerait. Ah, c'est vrai. Bah si, c'est chiant. C'est chiant, là, parce que... Mais t'as pas... T'as Alzheimer, non? Ouais, ouais, les Alzinger. Ouais, mais c'est chiant parce que ça me prend des objets, quoi, tu vois. Là, je voulais pas perdre de temps, et là, du coup, bah, super, parce que là, ça y est, c'est fini l'épisode. Hein. C'est fini l'épisode. Bon, ce qu'on va faire, les amis, c'est que je vais continuer ce niveau jusqu'à battre le Rick, forcément. D'accord, ça, je le ferai hors caméra, puis je continuerai à battre des Rick aussi hors caméra pour arriver, ben, presque en tout cas, peut-être pas jusqu'au bout, mais presque, je vais en battre quelques-uns pour qu'on n'en ait plus qu'un ou deux à battre, peut-être, en dresseur, j'entends. Et du coup, là, on va se faire un petit bip et truc ici. Oui. Et puis, comme ça, on va voir, et puis on se laissera là-dessus, c'est pas grave. Eh bien, allons-y, allons-y, utilisons un petit truc, et on va voir un truc de fou, je vais voir un truc de fou, petit à petit, un truc de fou. Un truc de ouf. Un cas, mais je peux pas l'avoir, donc juste, attends, je fais que, c'est très bien. Un antiparasite, un sérum pur. Allez. Quoi, tenue arc-en-ciel, niveau de merde, mais tenue arc-en-ciel, très bien, sympa. On l'avait pas, c'est cool. Il est beau, il est cool. Bon, eh bien, les amis, on se laisse là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous, merci encore de suivre nos vidéos, donc n'hésitez pas à aller mettre un gros pouce bleu, ça fera plaisir, et un commentaire, j'aime toujours beaucoup ça. C'est vrai que vous ne mettez pas beaucoup de commentaires sur les Pocket Morty, alors mettez-en, ça me ferait plaisir. Il y a quelques personnes qui passent par là, bien sûr. Voilà. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que voilà, c'est important. Plein de gros bisous, à très bientôt, ciao.